Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires à travers le monde, ont célébré la fête de l'Aïd al-Adha 2024. Elhadj Seyni Barry, président de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poular de Guinée, accompagné de son conseiller principal, Elhadj Ibrahima Daboula Diallo, a participé à cette célébration avec ferveur. Leur journée a débuté au domicile de l'opérateur économique situé à Kipé. Ensemble, ils se sont rendus à la grande mosquée Faisal dans la commune de Dixien pour accomplir leurs devoirs religieux. Là-bas, ils ont prié aux côtés des autorités de la transition, notamment le secrétaire général à la présidence Amara Camara, le premier ministre Bahouri, ainsi que de nombreux autres dignitaires du régime en cours et de nombreux fidèles musulmans. Après la prière, Elhadj Seyni Barry et Elhadj Ibrahima Daboula Diallo ont profité de l'occasion pour transmettre leur message de bonne fête à tous les membres de la coordination nationale des Foulbé et Ali Poular de Guinée, tant ceux résidant dans le pays que ceux à l'étranger. À leur retour au domicile d'Elhadj Seyni Barry, la tradition a été respectée. Les membres de la famille ont pris des photos de souvenirs avec lui et son conseiller principal. Cette coutume témoigne de l'importance de la cohésion familiale et des liens communautaires. Fidèle à son engagement pour le développement économique et social, Elhadj Seyni Barry a saisi cette opportunité pour exhorter tous les Guinéens à promouvoir l'unité nationale, l'entente, la paix et le développement dans le pays.